Angels fans. Tu peux le faire, Raph. Je n'ai aucun doute à ce sujet. On sait tous que tu es 100 fois plus doué que Sulfus. J'en suis sûre aussi. Et pour une fois, je suis d'accord avec Dolce. Vous avez raison, les filles. Raph, tu es beaucoup plus forte que lui. Il ne nous manque plus qu'un point, un seul, et on gagnera le tournoi. Tu entends? Tout dépend de moi, maintenant. Et maintenant, tout dépend de moi. Montre à cette pimbèche de quoi on est capable. Écrase-lui son auréole une fois pour toutes. Ouais, arrache-lui les ailes. On va voir des plumes d'anges partout dans l'arène. Fichez-lui un peu la paix, il sait ce qu'il a à faire. Il nous offrira la victoire sur un plateau d'argent. Si je perds, l'un d'entre nous devra quitter l'école. Si je ne gagne pas ce tournoi, une de mes meilleures amies sera obligée de rentrer chez elle. Notre groupe, notre classe et notre amitié changeront pour toujours. Et si je gagne, je ferai du mal à Sulfus. Je veux pas faire de mal à Raph. Non, pas moi. Mais je peux pas décevoir mes amis. Raph, Sulfus, entrez dans l'arène. Je ne dois pas tenir compte de mes sentiments. J'ai une mission à accomplir. Je suis un ange et je remplirai mon rôle d'ange. C'est toi contre moi, Raph. C'est comme ça que tout a commencé. Et c'est comme ça que tout finira. Êtes-vous prêt pour le défi ultime? Oh, plus que prête. Comme le veut la tradition, le globe du destin décidera du lieu où se déroulera le dernier défi. Vous faites erreur, Arcane. La seule à en décider, c'est Raina. Mais... que se passe-t-il? Comme c'est étrange, c'est le globe du destin et la reine. On dirait qu'il provoque une réaction énergétique. Mais comment cela est-il possible? Couvre tes yeux, Raph! Que se passe-t-il? Mets-toi derrière moi! Cette lumière n'est pas naturelle et il se passe quelque chose. Raina! Reste où tu es! Ne t'approche pas, Malakai! Qu'est-ce qui se passe? Le globe du destin et la reine des défis sont au rouge! Ils vont exploser! Mais qu'avez-vous fait, ma reine? Je contrôle la situation. Détends-toi. Mais tout a explosé! Ne t'inquiète pas, ils sont vivants. Je n'ai pas envie de les tuer. En tout cas, pas pour le moment. Ah, je veux d'abord qu'ils souffrent. Ils vont beaucoup souffrir. Fais-moi confiance. Ma tête! Oh, c'était drôlement bizarre. Enfin, une phrase intelligente. J'ai des bleus horribles sur tout le corps. Moi aussi, comme toi. Le professeur! Professeur Arcane, réveillez-vous! Dites-nous quelque chose. Notre prof est inconsciente! J'espère que le professeur n'a rien de grave. Mais oui, il va se réveiller, hein, Gabriel? Je n'en suis pas si sûr. Ils étaient tous les deux près du globe quand il a explosé. Prof, non! Je vous en supplie, ouvrez vos yeux, réveillez-vous! Je vous en prie, je ne peux pas vivre sans vous! Tu vas te taire, Gaz, tu vas finir par l'ennuyer à mourir! Tu nous endors avec tes pleurnicheries. Calmez-vous un peu, les démons. Poussez-vous. Professeur, vous m'entendez? Répondez-moi! Il se réveille, tout va bien. Comment va, Raph? Elle n'est pas blessée, au moins?
Elle était dans l'arène quand c'est arrivé. Mais elle n'y est plus. Sulfus n'a rien, il va bien. Il nous le dirait lui-même, s'il était encore là. Raph aussi a disparu. Je me demande où il a bien pu aller. Oh, pauvre gardienne de démons, tu ne sais plus quoi penser. Tu ne devrais pas te demander où ils sont, mais plutôt à quelle époque ils sont. Vous avez envoyé Raph et Sulfus dans le temps? Je ne les ai pas seulement envoyés quelque part dans le temps. Je les ai envoyés dans une autre ère, à une époque non hospitalière, vieille de 100 ans. Regarde. Bonjour. On a eu de la chance de pas tomber dans la rivière. Où se trouve la rivière? Elle est quelque part par là. Vers les chutes. On dirait qu'on a atterri dans une forêt tropicale. Ouais, ça y ressemble. Viens, je vais t'aider. Ah, ouais, tu penses au veto? Je pense jamais à ce détail. C'est pour ça qu'on a autant d'ennuis. Oh. Oui, tu as raison, Cox. Je suis d'accord. De quoi tu parles avec ton insecte de compagnie? C'est une coccinelle. Elle ne comprend pas ce qu'on fait dans un endroit pareil. C'est vrai, on devrait le demander au globe du destin. J'y avais déjà pensé, Basilico. Ce serpent a un petit problème? Ce serpent corail venimeux? Ouais, on a tous les deux un problème. Pourquoi? La chambre des défis nous envoie dans des endroits insolites, je ne vois pas ce qu'il y a de différent. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais écoute ça. Je n'entends rien du tout. C'est justement ça le problème. Où sont passés les autres? Il y a quelque chose de bizarre. On devrait entendre leur cri d'encouragement, tu crois pas? Oui, c'est vrai. Ça signifie qu'on est tombé à nouveau dans un piège. Comme quand on était dans le labyrinthe avec le Minotaure ou les grottes de l'obscurité. J'en suis convaincu. Notre ennemi nous retient entre ses griffes encore une fois. Hé, hey, toi, je ne sais pas qui tu es. Mais tu devrais nous laisser tranquilles, on ne t'a rien fait. Qu'est-ce que tu nous veux? Ouais, qu'est-ce que t'attends de nous? Un baiser, mes deux tourtereaux, c'est tout ce que je désire. Un simple petit baiser interdit. Un baiser sacrilège m'a enchaîné ici. Et ce même sacrilège me libérera. Je n'en peux plus de ces chaînes. Seul le sacrilège d'un ange et d'un démon est capable de me libérer. Pourquoi Raph et Sulfus accepteraient de s'embrasser aujourd'hui? Ils ont décidé de ne jamais le faire. Tais-toi! Ils s'embrasseront. Oui, vous avez raison, ma reine. Le sentiment qui les anime ne peut les conduire qu'à une seule chose, l'amour ou la destruction. Viens nous montrer ton visage, espèce de lâche! T'es trop affreux pour sortir au grand jour! Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, il a pas l'intention de nous répondre. Peut-être. Ou alors, il est tout simplement sourd. On sait pas du tout où on est, ni pourquoi on est là. On devrait pas en rire. Non, c'est pas drôle. Mais on sera pas obligé de se battre comme ça. J'y avais pas pensé. C'est pourtant évident. On n'est plus dans le tournoi de la lumière et des ténèbres. Je suis sûre que personne ne sait où on est en ce moment. On le sait pas non plus. C'est là où je voulais en venir. Je ne vois pas l'intérêt de nous défier. Sauf si tu en as envie. Non, non. Je suis d'accord. C'est pas nécessaire du tout. Pour être tout à fait franc, je voulais pas me battre contre toi. Non, moi non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va pas attendre ici les bras croisés que quelqu'un vienne nous libérer. Non, ça ne servira à rien. On devrait peut-être monter en haut des chutes. Comme ça, on verra à quoi ressemble l'endroit où on se trouve. Le dernier arrivé est une poule mouillée. Merci, Gabriel. Ça suffit, Gast, on a fait suffisamment pour aujourd'hui. Excusez-moi, prof. Je suis un gentil démon et j'aide les demoiselles en détresse. Regardez ces morceaux de verre. C'est tout ce qui reste du globe du destin. Nous aurions dû arrêter la lumière quand nous l'avons vue. Comment? On doit se dépêcher de retrouver Raph. Et de trouver Sulfus. C'est exact. Il doit bien exister un moyen de les retrouver, professeur. Mais je ne le connais pas. Mais ils sont peut-être en danger. Je ne veux pas jouer les anges de mauvais augure, mais s'ils sont tout seuls quelque part sans protection, alors je crois que nous aussi, on a de sérieux problèmes. Qu'est-ce que tu insinues? Raph n'embrassera jamais Sulfus. Et Sulfus ne fera jamais une bêtise pareille. J'espère sincèrement que vous dites vrai. Je l'espère pour notre salut à tous. Oh,
Voilà, on est arrivé. Fatigué? Non, j'aurai la force de te battre. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est magnifique! C'est vrai. J'ai jamais vu un endroit aussi merveilleux de toute ma vie. On va voir de plus près. Mm-hmm. On trouvera peut-être quelqu'un là-bas pour nous dire où on se trouve. Oh! Hey! T'as vu ces choses? Impossible de les rater. Ils ont failli nous assommer tous les deux. C'est bizarre. Ces choses savent voler. Tu crois qu'il y a une chance qu'ils soient immortels comme nous? J'en sais rien, mais je suis sûr qu'on trouvera quelqu'un pour répondre à nos questions. Suivons-les. Tu les as vus atterrir ici? Je crois, ouais. Ils volaient plutôt vite. On n'arrivera jamais à retrouver leurs traces dans cette jungle, Sulfus. Raph, éloigne-toi! C'est pas passé loin. Mais qu'est-ce que c'était? Tu veux plutôt dire qui c'était? Ces deux personnages... Je les ai déjà vus. Ils étaient dessinés sur les fresques du labyrinthe du Minotaure. Oui, Malakai, et là, ils sont en chair et en os. Tycho et Sai, les infâmes anges et démons dont le baiser interdit causa la destruction immédiate d'une civilisation tout entière. Ils ressemblent à Raph et ils ressemblent à Sulfus. C'est incroyable. C'est étonnant, n'est-ce pas? Ce qui s'est produit par le passé est sur le point de se produire dans le présent. Raph et Sulfus vont s'embrasser, comme l'ont fait Tycho et Sai avant eux. Et ce baiser interdit me rendra enfin ma liberté. Prépare mes valises, mon valet. Très bientôt, la reine Reina quittera les ténèbres. Angels Fans.